cette école du vélo de Grenoble. D'abord, c'est sans doute une initiative très originale et assez unique en France. Un objectif autour du savoir rouler. Et puis, la deuxième dimension, c'est créer un environnement, une culture vélo. Grenoble est, depuis maintenant 3 ans, capitale française du vélo. C'est aussi un lieu physique avec cet anneau de vitesse, avec des équipes motivées, avec un parrain et une marraine que je salue et qui permettent de diffuser la culture du vélo. C'est un super vecteur pour mettre la nouvelle génération déjà au vélo, le rendre cool, parce que déjà véhiculer des images comme porter un casque ou quoi, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément à mon époque. Et puis montrer que ça peut servir pour tous les jours, c'est multitâche le vélo. C'est tout simplement permettre à chacun de découvrir ce qu'est le vélo, de pouvoir apprendre à faire du vélo pour ceux qui n'ont pas peut-être l'occasion ou qui ne sont pas dans le bon environnement, ceux qui n'ont pas appris quand ils étaient jeunes ou même pour les plus jeunes, pouvoir apprendre à rouler dans les bonnes règles et sans avoir peur. Et l'objectif, c'est que chacun, 100% des enfants qui sortent de 3e puissent connaître et faire du vélo. Et le deuxième objectif, c'est avec les adultes, pour les personnes qui ne savent pas encore faire du vélo. C'est par le biais des éducateurs et éducatrices territoriales des activités physiques et sportives, les ETAPS de la ville de Grenoble, qui vont former les écoliers grenoblois à apprendre à faire du vélo, à circuler sereinement, en sécurité, parce que le vélo se développe, le vélo c'est bon pour la santé, le vélo c'est du plaisir et c'est ce qu'on a envie de partager grâce à l'école du vélo de Grenoble.